Mais monsieur, ça se fait pas là. Ah si. Eh, hey, une 18. Après ça, viens pas me dire que tu peux pas aller chercher le mannequin au fond de la piscine, Mariani. Mademoiselle, merci. Continuez. Madame Bresson, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi. Absolument. Delphine, quel jour serons-nous demain? Mercredi. Parfaitement. Et demain, mercredi matin, j'ai prévu de faire un... contrôle de maths. Correct. Mais, demain, mercredi, c'est également le premier jour des... Oh. Le premier jour des... Des soldes. Vous comprendrez donc que je veuille m'assurer de la présence de Delphine au contrôle demain, plutôt qu'elle n'aille faire la sacro-sainte ouverture des soldes, comme à son habitude, et avec votre complicité, Madame Bresson. Qu'est-ce qu'il fait ? Pas. Bonne soirée et à demain. Qu'est-ce qu'il y a, Théo ? Excusez-moi, madame, mais l'exercice que vous nous avez donné pour demain, on le colle dans le cahier. Non, vous le collez sur le front. Ok. Mais oui, vous le collez dans le cahier, celui de français de préférence. Et vous soulignez bien en rouge tous les compléments. D'accord, donc on souligne en rouge ? Oui. Tous les compléments. Arrêtez, Mariani, de répéter tout ce que je dis ou c'est vous que je vais coller ? Mais je répète pas tout ce que vous dites, là. Allez, Théo, ça va, c'est bon, allez, 2 heures de colle, voilà, allez. Et je fais déjà le papier pour les parents. Ah, monsieur Mariani. Bonjour. Tombez bien, alors je viens de coller votre fils 2 heures parce qu'il m'oblige à me répéter en permanence. Ah bon, il vous oblige à vous répéter en permanence? Tout le temps, et j'ai horreur de ça. Ah, vous avez horreur de ça? C'est héréditaire ou quoi là? Ah, c'est héréditaire. Mais qu'est-ce qui est héréditaire? Ok. On oublie monsieur Mariani. On oublie monsieur Mariani. Pourquoi elle répète tout deux fois Ah, parce qu'elle répète tout deux fois. Ricodo, faut savoir ce que vous faites? Je mène une enquête. Quelle idée saugrenue! Ça vous dérange pas, vous, de côtoyer tous les jours un être humain mort sans rien connaître de lui? Non, mais enfin, puisque vous êtes là, dites-moi donc ce que vous avez trouvé. Eh bien, en premier lieu, Hector était une femme. En témoignage, la largeur de son bassin. Elle avait 40 ans, et regardez, elle s'était cassée le poignet, sûrement quand elle était plus petite. Et elle avait une bonne hygiène dentaire. Comme ma première fiancée. Elle s'appelait Hilda. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai découvert la cause de la mort. Regardez là, juste derrière le crâne. Une fracture. Et donc? Et donc elle a été assassinée. On lui a fracassé le crâne avec un objet comme... Bah comme votre pierre. Vous savez, vous êtes doué, Ricodo. Très doué. Mais enfin, ce ne sont que des hypothèses. Hein. Je vous laisse, j'ai d'autres choses à faire. Ça va, toi? Je crois que j'ai des pouvoirs télékinésiques, mec. T'as quoi? C'est le fait de pouvoir déplacer des objets par le simple pouvoir de la pensée. Genre, vas-y, fais voir, fais bouger mes lunettes. Delphine, viens voir 2 secondes. En fait, quoi? Eh ben, Paul vient de me dire que tu lui avais montré ton soutif. Bravo, t'es vraiment dégueulasse. Hein? Et voilà, mec, le pouvoir de la pensée. Monsieur Vidal, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à la cantine? Encore collé, j'imagine. Bon bah, faites pas cette tête-là, hein. C'est pas la première fois. Bon alors, Benji, t'as encore fait une connerie?
fois, tu t'es fait choper. Ça va, Benjamin? Bon, j'ai prévenu vos parents, ils arrivent. Oh, mon pauvre, c'est pas drôle d'avoir la grippe. Non, c'est pas drôle. Alors, bah oui, c'est peut-être une gastro, finalement, alors. Oui. Bien, alors, chapitre 6, Javert. Entrez. Excuse-moi, Anne-Marie, j'ai dû emmener Paul à l'infirmerie. D'où j'ai su, Ricodo, que vous est-il arrivé? Bah, on jouait, il est allé chercher la balle dans les fourrés et il est tombé sur un nid de guêpe. Un nid de guêpe? Oh, quelle horreur! À tous les coups, vous faites un œdème de quinque. Bah, en fait. Oh, puis ils vous ont piqué sur la tête! Alors, il y en a une qui a failli, mais je suis intervenu juste avant et je peux te dire que je l'ai pas raté, hein. Avec ça! Ah. Et dis-moi, ton diadème de cake, là, c'est dangereux? Bon, alors je t'ai sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur. J'y vais, tu le ramasses? Hein? Ricodo? Ricodo? Dépêche à varier. Ah, dépêche, range-toi, elle arrive, elle arrive. Bah, vous pleurez, les garçons? Oui, mon arrière-grand-mère est très malade. C'est mon arrière-grand-mère qui est très malade, Poulet. Ah oui, oui, c'est son arrière-grand-mère qui est très malade. Et moi, je pleure parce que son père, il est stérile. N'importe quoi, il est pas stérile, mon père. Si, il est stérile. Alors, stop. Stérile ou pas, vous venez quand même au contrôle, tous les deux. Ah, bravo! Mais bravo, t'as tout foiré, mais tout! C'est à cause de toi, t'as dit de la merde, mon père, il est pas stérile, ok? Bah, s'il était stérile, on ne serait peut-être pas là. Imbécile. Chérie, attends! Ta gomme. Allez, dépêche-toi, ça sonne. Maman ? Je te dis que c'est rouge, c'est évident. N'importe quoi, c'est noir. C'est rouge, espèce de pouilleux. Dans tes rêves, c'est noir. Bouffon. Quoi ? Répète-le. Bouffon ? Vas-y, répète-le. Je te rappelle. Hé, lâche-le tout de suite. Mais c'est bon, c'est qu'on n'est pas d'accord. Je m'en fiche de vos histoires. Rien ne justifie la violence, d'accord ? Théo, ça va ? Non. Allez, fais voir. Baisse la tête. Bon, t'as pas d'hématome, donc ça devrait aller. Par contre, tu veux me voir immédiatement si t'as le vertige, hein. Et toi, tu recommences à cette exclusion, d'accord? Au revoir, madame. Alors? Alors, noir, le soutif. Merde. À boule. Vidal, je te l'ai dit 100 fois, on ne court pas dans les couloirs. Tu vas où comme ça? En sport, monsieur. Vous faites quoi? Du rugby. Eh ben, tu courras sur le terrain. Ça se passe bien? Franchement, super. On est une équipe, elle est balèze. Bon, après, il y a une équipe de filles, bah, avec Ricodo, parce que, bon, Ricodo, c'est pas un vrai mec, mais... Ah bon? C'est pas ce que dit ta mère quand elle est dans mon lit. T'as dit quoi, là? J'ai pas compris. Rien, je dis juste que ta mère, c'est une grosse... Bon, hé, ça suffit, Vidal, ça suffit, tu t'en vas. Fou. Non, mais... Mais t'es inconscient, toi? Tu cherches Vidal, maintenant? Ça te suffit pas, le rugby? Ben, justement... Je me dis juste que je suis plus en sécurité à l'infirmerie qu'en sport avec ce crétin. C'est pas faux. Ça y est, gros, je suis amoureux. Ah ouais. Je craque complet, là. C'est plus des courbes, là, c'est... C'est trop sexy. Salut, les gars. Alors, j'ai l'impression que ma nouvelle robe vous plaît. Tu peux te pousser, Delphine, s'il te plaît. Ouais, tiens, dégage, s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Vous êtes encore à fantasmer comme des gros blaireaux sur madame. Bonjour, je suis l'infirmière et j'ai des gros nénés. Non. Ah ouais? Alors on peut savoir, là, ce que vous matez avec vos têtes de crapaud en rut? Coupé cabriolet de 1963. V8 Atmo culbuté. Puissance 420 chevaux à 5400 tours. Une bombe. Immédiatement, je vous dissèque les deux yeux à main nue.
Oh.